deux, trois. Passez en fait votre attention sur la colonne vertébrale. Dans la pratique, déjà, bien placer le souffle et le fait de bien respirer, de bien prendre conscience. Donc, un petit peu comme dans le cours de méditation où on faisait la respiration le long de la colonne pour Nathalie qui l'a fait. Vous essayez, quand vous inspirez, de sentir le souffle qui part du coccyx, puis vous la faites monter votre respiration le long de la colonne sur chaque partie, coccyx, sacrum, lombaire, thoracique et cervicale. Et vous arrêtez la respiration au niveau, en fait, du centre du crâne, là où vous connectez Muladhara Bandha, le plancher pelvien. Donc le plancher pelvien, juste situé entre les os pubiens. Et coccyx. Puis vous allez commencer à allonger votre colonne vertébrale en partant du sacrum. Vous partez du sacrum et vous allongez vers le haut en inspirant, jusque dans la nuque, et à l'expiration, vous redescendez, pointe coccyx, et vous allongez à partir du sacrum, coccyx vers le sol, comme si c'était lourd. Pesez vers le bas. Et sur les inspirations, vous montez, vous étirez, et en même temps, vous étirez dans les deux directions, à partir du sacrum, vers le bas et vers le haut. Les deux actions en même temps. Vous pouvez placer le souffle Ujjayi si vous souhaitez. Et lorsque vous placez votre attention sur le souffle, vous allez placer l'attention sur la partie molle du ventre, en dessous du sternum et sur les côtes. Et vous allongez encore un petit peu plus. Vous allez placer sur la prochaine inspiration les deux paumes de main l'une contre l'autre avec les pouces en face du sternum, dos droit. Inspirez. On va chanter trois fois le Om. La deuxième fois, vous le murmurez, mais vous le laissez vibrer. La troisième fois, ce sera uniquement mental et vous essayez de ressentir la même vibration. Et sur l'expire, vous ramenez les mains sur les cuisses. Vous pouvez abaisser le visage. Laissez les yeux s'ouvrir sur une inspiration. Et vous vous placez sur le tapis en quadrupédie. Et en expirant, vous venez en Adho Mukha. Adho Mukha sur la pointe des pieds, fesses vers le haut. Et vous allez replacer votre conscience le long de la colonne vertébrale. De la même façon que lorsque vous étiez assis, vous respirez en essayant d'allonger les bords du buste, d'allonger l'espace entre les vertèbres, dans les deux directions, depuis le sacrum, sacrum coccyx, vers les talons, vers le bas,
et le haut vers le centre du crâne. Plancher pelvien connecté au centre du crâne. Petit à petit, sur les expires, vous pouvez retendre les jambes ou pas. Vous pouvez garder les genoux fléchis pour la première. Sur l'expire, vous allez transférer le poids dans les mains. Regardez entre les pouces et en inspirant, vous avancez les deux pieds en marchant. Vous étirez bien le buste. Expire, flexion. Et en inspirant, vous déroulez le dos. Vous laissez pendre la tête et les bras vers le bas. Et tout doucement, vous remettez la colonne, les vertèbres les unes au-dessus des autres, la tête en dernier. Vous replacez les épaules, vous laissez monter l'avant de l'aisselle. Dirigez les doigts vers le bas. Replacez le souffle, étalez la peau des pieds. Et sentez la connexion entre les appuis, plantes de pied, la poussée que vous mettez en direction du sol. Ça remonte le long des cuisses, plancher pelvien, comme si ça s'accroche au centre du crâne. Et vous respirez devant, côté, et la colonne qui est allongée, coccyx qui va dans le sol, qui s'ancre profondément vers le bas, et tout le reste qui monte vers le haut. Inspirez, étirez les bras. Expirez, étirez-vous vers l'avant et posez les mains largeur tapis, front tibia. Inspirez, vous redressez, expirez, quadrupédie. Quadrupédie, et vous crochetez les orteils, expire. Inspire, vous allez placer le pied droit entre les deux mains. Pliez le genou, gardez la jambe arrière tendue, gardez le talon redressé et soulevez bras parallèles. Donc là, on est dans l'espace au niveau des épaules, donc vous allez bien lever les bras. Si vous aviez les mains jointes, vous seriez forcé d'aller un peu moins loin. Vous essayez de garder la rotation externe du bras. Donc si vous baissiez la main, vous auriez la paume de main vers l'extérieur. Et d'essayer d'absorber ici les côtes flottantes vers les crêtes iliaques. Vous ne les laissez pas partir. Vous absorbez, vous activez la fesse arrière, le talon vers le sol. Vous repoussez la cuisse loin du sol. Et vous pressez dans les appuis pour être stable. Restez là. Essayez de sentir la longueur de la colonne et de respirer dans les côtés du buste, devant. Toujours cette concentration. Fixez un point du regard. Et vous allez, en inspirant, soit marcher et ramener les bras à l'expiration. Faire l'autre côté. Inspire, étirez-vous, étirez les doigts. Flexion, allongez le buste vers le bas, front tibia. Inspirez, étirez le buste. Expirez, partez à genoux. Dos plat, repoussez le sol avec les mains. Éloignez les deux omoplates et sur l'inspiration, vous allez placer pied gauche, crochetez pied droit. Repoussez bien le sol, vous allez déjà ancrer les jambes. En inspirant, vous redressez les bras tendus. Pour faire une belle extension ici de la jambe, vous allez activer le fessier à l'arrière et repousser la cuisse loin du sol. Vous vous ancrez en direction du sol et vous repoussez vers le haut. Vous allongez la colonne, vous allongez le coccyx vers le bas et le reste de la colonne vers le haut. Regardez devant vous et tirez les doigts. Respirez avec la partie molle sur l'avant, les côtés. Restez concentré sur le souffle et la sensation. Activez le plancher pelvien. Gardez les muscles actifs. Cherchez toujours à vous étirer vers le ciel depuis les appuis. Et en expirant, vous revenez. Vous allez ouvrir sur le côté et tirer les bras. Et directement, vous vous placez en Uttita Trikonasana vers la fenêtre. Vous pouvez en fait vous tourner vers moi, vous changer de sens pour que vous me voyez quand vous allez regarder devant. Donc, ça va être jambe droite devant et jambe gauche derrière. Vous alignez en fait le talon
ici à la moitié du pied. Comme ça. Et vous placez la posture. Donc, on ne va pas faire un grand, grand, grand écart. Donc, l'idée, ça va être de partir de la posture depuis le centre ici. Donc, tout de suite, vous essayez d'ouvrir vos hanches pour être parallèle à la ligne qui traverse votre tapis. Je vais me changer de sens peut-être pour que vous voyez un peu mieux. Comme ça peut-être. Ici. Comme ça et comme ça. Donc, soit vous avez la hanche arrière qui est un peu fermée, soit vous ouvrez complètement. Et vous allez remarquer peut-être qu'il y a une tension dans le genou. Je ne sais pas si vous tournez trop. Il vous faut tourner la cuisse, le haut de la cuisse vers l'extérieur pour que le genou soit dans la direction du pied. Pour la jambe arrière, c'est la même chose. Vous orientez votre genou avec la direction du pied. Donc, vous refermez légèrement la pointe du pied. Vous appuyez sur les deux pieds, notamment à partir du milieu du pied, vous activez l'arche interne du pied. Vous étirez les bras et vous allez laisser descendre la fesse droite vers l'arrière et vers le bas. Étirez la colonne, étirez le bras, creusez le pli de laine avant et placez la main sur le tibia. Et en inspirant, vous regardez vers le ciel. L'épaule qui est devant, elle peut être un peu fermée comme ça. Pensez à faire une rotation externe de cette main et placer ensuite la main sur le tibia, sur la cheville, ou ça va sur la jambe. Donc pensez bien à cette ouverture pour que l'épaule en fait, ne vienne pas se fermer dans votre oreille. Imaginez que quelqu'un attrape les bouts de vos doigts en haut et vous étire. Essayez de prendre conscience de la forme de la colonne vertébrale. Essayez à nouveau de créer cet espace, cette longueur, de respirer sur les côtés, sur le devant, et de garder votre pied arrière bien ancré, bien fort dans le sol. Pour remonter, vous allez chercher à ressentir que vous montez en poussant dans les pieds, que vous remontez le buste ici. Une fois que vous avez la poussée des pieds qui vient dans Muladhara Bandha, donc sentez que c'est la force des pieds. Vous le sentez ? Ouais. Et on va faire l'autre côté. On peut vous changer de sens. Même placement, les talons traversent au milieu du pied arrière. Vous faites un petit pas, pas trop grand. Vous ramenez la pointe du pied arrière, vous étirez bien les bras. Vous allongez les bords du buste. Laissez descendre la fesse gauche vers l'arrière et vers le bas. Étirez-vous. Allongez les bords du buste. Posez la main là où elle va. Et pensez à ouvrir le bras vers l'extérieur pour dégager l'épaule de l'oreille. Et tirez les bouts des doigts comme si on vous tirait tracté vers le haut. Ramenez les deux bras dans le même prolongement. Gardez le poids, la connexion avec le pied arrière. Pensez aussi à diriger vos deux genoux dans la direction de vos deux pieds. Donc le pied avant pointe vers l'avant, votre genou doit rentrez légèrement en rotation vers l'extérieur pour pointer dans le même sens. Et inspire, poussez dans les pieds, Muladhara Bandha pour remonter. Et vous pouvez fermer vos pieds au centre du tapis. On va refaire les différents triangles en se mettant au mur. Vous allez placer le tapis perpendiculaire à un mur et je vais voir si on voit bien. Ce qui va être important dans un premier temps, ça va être de placer le pied, on va dire, allez, le droit. Vous faites un miroir comme ça, vous écartez un petit peu plus. Et vous allez ouvrir complètement le pied qui est au centre de la salle. Une fois là, le tranchant du pied va appuyer contre le mur. Vous allez placer la main d'abord sur le bord ici, étirer le bras.
Et en expirant, comme si vous rameniez la fesse vers le mur et vous étirez le bras. Vous restez là et vous creusez le pli de laine. Vous essayez d'ouvrir la hanche arrière et de ramener l'intérieur de la cuisse vers le haut. Je ne sais pas si tu me vois au fond. Ça vers le haut. Et crenchant du pied dans le mur et cette hanche comme si elle voulait se poser. Et vous creusez, vous creusez, vous creusez, vous étirez. Ensuite, vous allez placer la main et en inspirant, étirez-vous, mais sans arrondir ici. Vous étirez le buste, vous continuez de creuser. Comme s'il y avait une sangle en fait, qui était attachée au mur et qui vous faisait une traction ici. Je vais passer vous là, ici. Si vous avez une poignée de porte chez vous, vous pouvez vous attacher à la poignée de porte. Et en même temps, tu vas résister dans l'autre sens. Tu vas avancer. Je suis bien placée, là, je suis au creux. Ouais. Okay. Et éloigne l'épaule. Voilà. Ouais. Je vais te placer. Je vais juste me dire si je suis bien dans l'angle. Ici. Ça fait un changement ? Ça fait mal, là. Ah, ça fait mal où ? Derrière le genou. Ça tire trop. Alors voilà, si ça fait mal derrière le genou, un conseil pour votre pied, ici, avant, revenez, je vais vous montrer un truc. Quand vous êtes sur ces postures-là, le genou peut être soit en surextension, soit il peut y avoir une tension ici. Dans ces cas-là, faites... Ah, comment le montrer ? Le pied, il va... être attiré vers vous. Ouais. C'est-à-dire que vous le laissez là où il est, mais au lieu de pousser et qu'il y ait la poussée qui avance, ouais, voilà, vous contractez et vous le ramenez le pied vers vous. Donc, comment le sentir ? C'est la même posture que quand on est ici, comme ça, et que je vous dis de creuser, de ramener ce pied vers là. Donc, dans le triangle, quand vous êtes en posture, ce pied, s'il pouvait glisser, si vous ne faites rien, il va glisser par là. L'action que vous allez faire, c'est de le faire glisser, par contre, là, pour qu'il bouge par là, mais sans qu'il bouge. C'est ça. Alors, est-ce que c'est clair dans mes explications ? Et là, du coup, vous protégez l'arrière, le creux du genou. Ici, ça surépend. Et si je le ramène un petit peu, j'active. Ouais. Et du coup, je peux aller même plus loin. Donc, essayez ça sur les deux côtés. Et la sangle ici, c'est pour prendre conscience que hop, là, ça doit creuser ici, en fait. Donc, c'est comme quand on vous met la sangle. Là, on fait ce côté ? Oui, et essaye de faire le mouvement pour le pied. Et si ce n'est pas clair, on va le faire. Je vais vous montrer. Hop, si ce n'est pas clair, on va rajouter une chaise. Je vais vous la donner. Tiens, ça c'est une grande, normalement ça devrait être mieux. Ne l'ouvrez pas parce qu'on va l'utiliser fermé. Donc je refais le même côté. Pas dans ce sens parce qu'elle s'ouvre, mais choisissez le sens où elle ne s'ouvre pas. Vous la placez dans le pli de laine et... vous venez saisir, alors ça va dépendre de la longueur de vos bras et puis de la possibilité, mais vous venez saisir un morceau ou un appui, un barreau ou même la main sur la chaise et vous essayez de creuser avec le dossier et en même temps, activez ce pied pour essayer de le ramener vers vous. Le pied qui est vers le centre du tapis, vous l'activez pour... Voilà, comme ça. Je vois que tu l'as fait. Et cherche à allonger. Ce qui est une incidence aussi, c'est le fait que la jambe arrière soit plus forte et qu'elle pousse. Oui. Et si elle est plus active, en fait, ça soulage. Ça soulage, oui. En fait, vous devez, quelles que soient les postures,
Vous devez être super actif partout. Dès que vous relâchez une partie du corps, ça se place mal. Alors que dès que vous avez la jambe arrière active, la jambe avant, le buste, tout, il y a les forces, elles se rencontrent et ça vous pas rigidifie, mais ça vous solidifie, on va dire, ou vous rend plus fort. Et du coup, vous êtes mieux placé, et vous pouvez faire la même chose de l'autre côté, mieux placé et mieux... Les articulations sont plus protégées. Faites-le si vous voulez avec et sans la chaise, comme on a fait tout à l'heure. Faites-le deux fois, peu importe l'ordre, celui qui vous va le mieux. Et à nouveau, vous essayez de ramener le pied avant vers le talon arrière. Vous creusez suffisamment avec le dossier. Et toujours cette longueur du buste, comme on a fait dans les respirations. Voilà, creuse, allonge ton buste dessous ici. Et crée cette... Voilà. Et une fois que vous avez fait d'une version, vous faites l'autre version sur le même côté. Voilà. Allongez bien la colonne comme si le sacrum, le coccyx s'ancrait vers le sol, vers les talons. Vous allongez les bords du buste et le pied avant, le pied qui est orienté vers le centre de la salle. Le talon revient vers le talon arrière. Sans bouger. Et depuis le bassin, du coup, ça vous centre beaucoup plus. Quand vous faites le... Je ne sais pas si on le sent pareil avec la chaise, mais dès que vous essayez de ramener ce pied vers l'arrière, la posture, elle vient plus de là. On la sent plus partant du bassin. Je ne sais pas si ça vous le... Si vous... Ouais. Du coup, c'est ça qui est intéressant. Donc, le triangle, en fait, quel que soit quand vous êtes sur une pratique Ashtanga ou peu importe, essayez de ressentir ces placements. Pas forcément d'aller trop loin dans les écarts au début, mais au moins d'essayer de sentir le placement, les forces, et petit à petit, surtout en Ashtanga, en fait, puisque en Ashtanga, on va aller chercher à attraper notre gros orteil. Donc, si vous faites un trop grand pas, ça va être d'autant plus difficile. Par contre, sur les cours de base, vous pouvez aller dans des triangles de plus en plus larges. Par contre, on a fait le triangle. Je voulais vous faire aussi les postures de base debout pour sentir que tout vient du centre, avec toujours cette colonne allongée. Donc, vous pouvez rester sur le milieu du tapis. Et on va inverser, vous allez ouvrir et pointer le pied face au tapis, face au mur. L'autre pied ouvert à 45 degrés. Vous ramenez le genou. Là, vous allez être obligé d'avoir la main vers le haut parce qu'elle va vous gêner pour le guerrier. Et vous étirez le bras. Vous cherchez à grandir les deux bords du buste. Tu peux descendre plus bas. Veillez à votre genou de façon à ce que le genou n'aille pas vers le gros orteil et vers l'avant, mais qu'il aille plutôt vers l'arrière. Étirez bien l'avant. Ramenez les épaules au même niveau. Et ensuite, vous allez, hop, en partant de là, placer le coude sur le genou. En plaçant le coude sur le genou, donc je vais un tout petit peu me déplacer pour que vous puissiez me voir. Vous me voyez ? Quand vous placez le coude sur le genou, on va s'occuper de cette partie-là qui peut sortir. Là, j'exagère, hein, mettons qu'elle sort beaucoup. On va essayer de la faire rentrer à l'intérieur. Pour la faire rentrer à l'intérieur,
Vous allez essayer de pivoter la cuisse. Donc, vous faites une torsion, l'intérieur de la cuisse qui monte, l'extérieur qui descend et le pli qui descend, le pli. Ici, si la fesse sort, vous allez avoir ça qui recule. Vous ramenez le dessous de la cuisse vers le haut. Vous essayez de regarder si votre fémur est bien parallèle aux deux bords du tapis. Quand vous êtes bien, je regarde si vous avez tout ce qu'il faut, vous posez la main à l'extérieur et c'est là où, comme on n'a pas fait beaucoup d'échauffement, s'il y a besoin, recule, attends. Je vous amène un bloc. Là, je le fais sans le mur. Je vais plutôt vous mettre comme ça pour que vous voyez. Donc, on était là. On a essayé d'avancer l'intérieur de la cuisse vers l'avant. Vous placez la main sur le bloc. Et avec votre genou ici, vous allez venir chercher votre bras et vous poussez le genou contre le bras. Et en poussant le genou contre le bras, vous essayez d'absorber le fessier. Pousse plus ton genou. Tu forces contre le bras avec le genou pour rentrer la fesse dessous. Hop. Et revenez. On va faire l'autre côté. On va regarder comment ça bouge des deux côtés. Dans le premier temps, vous vous placez. Expirez, hop. Étirez le bord du buste en utilisant le mur et placez l'autre bras parallèle en fait au bord du tapis. Puis vous allez étirer, placer le coude et essayez de vous occuper de cette fesse qui peut sortir un petit peu. Vous essayez d'absorber, de creuser ici le pli de laine vers l'arrière, de bien absorber vos aines. Rotation externe de la cuisse, donc le dessous monte. Et à l'expiration, vous placez la main à l'extérieur du pied et vous poussez avec le genou pour essayer d'absorber la fesse dessous. Vous laissez ouvrir les deux épaules, vous pouvez même avoir la main sur le mur. Essayez de rentrer la fesse. Et vous regardez au sol et vous revenez. Vous pouvez ramener les pieds ensemble. Vous tournez vers le mur au fond. En fait, souvent quand on a la fesse qui sort, c'est parce que le genou n'a pas assez d'action vers l'extérieur. Et c'est le fait de pousser vers l'extérieur qui nous aide à rentrer, comme si on faisait un levier en fait. On va essayer de le sentir le long du mur. Vous allez vous placer. Alors vous pouvez tourner votre tapis parce que ça va être plus facile. Vous allez vous placer avec le guerrier contre le mur. Vous pouvez prendre une brique pour que ça soit plus simple. Et on va mettre la brique, non pas là où vous pensez, mais on va la mettre ici. On va la mettre. Il y a quelqu'un ? Bah, il ne s'est pas inscrit. Alors,
j'ai inversé tout le cours, donc vous allez arriver au milieu du cours. Mais c'est pas grave. Il faut bien le truc. Comme c'est là, quand c'est là, tous les cours n'ont pas forcément lieu. Ou s'inscrire sur le site. J'y suis pas arrivée. Ah, regarde ça. Mais changez-vous. Donc, vous mettez la brique comme ça, voilà. Prenez le guerrier. Attends, je vais le faire. Moi, comment tu la mets, toi? Ben, en fait, si vous le mettez, oui, vous la mettez le long du tibia, ici. Peu importe, le petit ou le grand, ça va dépendre comment vous êtes bien, vous. Le tout, c'est qu'elle ne tombe pas. Ouais. Vous me voyez? Ouais. Ouais. Vous allez... Ouais, c'est peut-être mieux le petit, enfin à plat, je veux dire. Et vous essayez d'avoir le talon arrière. Il ne va pas forcément toucher hein, le ouais. talon arrière parce que sinon, c'est trop loin. Mais normalement, là, vous sentez bien si la fesse, elle sort ou pas. Et vous, vous éloignez le pied arrière pour descendre pour avoir la cuisse parallèle au sol. Mm-hmm. Et poussez avec le genou pour tenir la brique. Voilà. Et vous sentez qu'il y a des muscles qui vont s'engager. Eh bien, il faut qu'il soit engagé. Si on dirait qu'on fait la chaise contre le mur. Ça force hein, dans les fessiers. Voilà. En fait, l'autre côté, ouais. Et elle était à moins sortie, non, la fesse? Non. On expérimente des postures. En fait, j'avais inversé l'ordre. Comme il n'y avait personne, on fera pranayama après. Okay. Donc, vous ferez un peu de pranayama. Donc, l'idée des deux côtés avec une brique, vous placez la brique le long du tibia. Vous éloignez au maximum pour être avec la cuisse parallèle au sol. Et vous poussez contre la brique avec le mur et vous sentez qu'est-ce qui se passe au niveau du bassin des fessiers. Parce qu'en fait, l'exercice, c'est d'essayer d'absorber quand on est dans le guerrier ici. Souvent, on a ce fessier un peu qui sort, comme ça, là, j'exagère beaucoup. Et en poussant avec le genou, on le ramène ici. Et avec le mur et la brique, en poussant le genou, là, sans brique, je peux montrer plus facilement, je vais pousser le genou en direction de la brique pour essayer de rétablir ma cuisse perpendiculaire. Et normalement, ça active une partie. Ouais. Donc, faites les deux côtés. Refaites-le si vous voulez le sentir et essayez après d'avoir les mêmes sensations sans le mur. Si vous... Donc, ouvre grand, voilà, que la cuisse soit le plus parallèle possible. Et poussez contre la brique avec le genou. Normalement, ça active bien là. Ouais. Ça active. Le genou ou la fesse? Les deux. Les deux. On sent que c'est. Voilà. Et ensuite, vous essayerez sans. Sans la brique ou sans le mur, de façon à pouvoir ressentir. Et laissez pas sortir la fesse. Que je vous pousse vers là. Et ensuite, vous venez avec le bras. Descendez le bras à l'extérieur, vous pouvez utiliser éventuellement une brique et vous poussez le genou contre la brique. Normalement, vous avez la même action qui se passe au niveau du fessier. Je vais le montrer sur le cours ici. Je vais me mettre de ce côté. Sans le mur, pardon. Et vous placez ensuite la main, le genou vient contre le bras et vous absorbez. Là, du coup, vous remplacez la brique par le bras. Et c'est la posture. Donc, le genou, pour ceux qui sont mains vers le mur, le genou vers le mur et vers le bras. Bras à l'extérieur avec la brique dessus.
C'est parce que comme on n'est pas trop échauffé, tiens. Ouais, surtout. Et du coup, le genou pousse contre le bras. Ça, c'est important. De toutes ses forces. Activez l'arche interne du pied avant. Là aussi, le pied avant. Hop. Dynamisez-le. Et vous revenez quand vous avez fait les deux côtés. On va changer de... Vous allez même tenter, tiens, de l'appliquer sur ce qu'on vient de faire. On va refaire un enchaînement fluide. Donc là, je me mets ici, vous vous placez, vous pouvez mettre vos tapis dans ce sens, hein, si vous voulez, parce qu'on va se mettre sur le centre du tapis, ouvrir grand. Hop. Et vous allez pointer le pied droit. Donc, ce qu'on a fait avec la chaise et le mur sur le triangle, on vous laissait creuser le pli de laine. Et ce pied, donc je vous redonne toutes les explications, ce pied, en fait, au lieu de le laisser pousser vers l'avant, vous allez essayer de le ramener vers vous sans le bouger, de donner une force vers vous. Et de creuser le pli de laine, de bien ancrer le pied arrière, d'étirer les bords du buste pour protéger ici l'arrière du genou. Placez la main et regardez vers le plafond. Essayez d'absorber également la fesse de la jambe droite. Rotation externe des deux cuisses, allongez les deux bords du buste et respirez le long de la colonne vertébrale, de l'espace. Expire, vous regardez au sol, vous pliez le genou et vous venez placer la main soit sur la brique, soit au sol, à l'extérieur, et vous plaquez ce genou contre la brique et tirez les bras. Étirez le bras devant vous, le bras du dessus, le bras gauche. Tournez bien les bords du buste. Essayez d'absorber le fessier à l'arrière. Utilisez les muscles qui permettent d'écarter les jambes. Muscles sur le fessier. Et vous revenez en inspirant. Vous redressez. Virabhadra. Inspire. Et vous pivotez les pieds. Donc vous faites la même série de l'autre côté. Donc pensez à avoir les hanches alignées. Expire, creusez. Le pied ici revient, le talon, au lieu d'aller glisser légèrement vers l'avant. Là, je fais le mouvement que souvent il prend. On va faire l'autre mouvement, c'est-à-dire lui donner cette direction-là sans le bouger. Et vous creusez. Donc ça vous permet de creuser encore plus et d'étirer le buste depuis le centre. Et vous placez la main sur le tibia, vous étirez. Essayez de creuser le pli de laine gauche, d'aligner la colonne. Poussez bien dans les pieds, expirez, regardez au sol et pliez le genou sans faire dépasser le genou de la cheville. Posez l'intérieur et plaquez bien le genou contre le bras. Et quand vous faites ça, ne faites pas juste que plaquer le genou contre le bras, mais utilisez ce levier pour approcher ici la fesse. Hop. Si je fais ça, si c'est juste que pousser, mais qu'il ne se passe rien, mais je pousse pour ramener ma fesse là vers l'intérieur. Je pense que vous l'avez vu. Là, je ne fais rien. Là, je pousse, mais je ne fais rien. J'ai juste un contact. Et si je pousse pour ramener, et ensuite j'étire. Ça se voit ? Comme je ne me vois pas, je ne sais jamais si vous voyez ce que je fais. Donc, parce qu'il y a moyen aussi de toucher sans qu'il ne se passe rien. Mais dès que vous touchez et que vous essayez de le ramener, ça change tout. Et vous revenez sur l'avant du tapis. Donc, comme on a pas mal travaillé sur mine de rien, on va aller au sol. Mais vous allez aller au sol pour travailler la chandelle. Donc avant ça, pendant que moi je vais vous chercher les couvertures, vous allez vous placer en Paschimottanasana. Placez les talons dans le sol et dans un premier lieu, vous étirez le buste vers le haut. Vous pouvez rester dans n'importe quel sens parce qu'on va utiliser les chaises et il n'y a plus de... À l'expiration, vous venez saisir bord extérieur des pieds. Et
Soit vous gardez donc les jambes tendues à condition que le bas du dos soit droit. Sinon, vous pliez un tout petit peu les genoux et vous étirez la poitrine, vous étirez menton connecté à la gorge. Vous respirez de long de la colonne. Vous gardez le menton connecté à votre poitrine. Et là, on va faire une posture vers l'arrière. Donc, vous allez allonger le corps. Ramenez les pieds. Soulevez les fesses. Donc, vous faites deux fois, on va faire que deux fois, le demi-pont. Vous le faites à votre rythme. Dans la version qu'on fait en Ashtanga Vinyasa Yoga, vous pensez à décoller le bassin avant de décoller le bas du dos. Alors, hop, je vais vous amener ça. Et on va les installer ensuite. Donc, faites-le deux fois. Et on va se faire des jolies inversions avec un dos bien droit. Quand vous l'avez fait trois fois, vous revenez en Paschimottanasana, la pince. Deux fois, et ensuite vous revenez, vous vous installez en Paschimottanasana, la même posture que celle qu'on a fait tout à l'heure. Donc, soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies. Donc, je vous attends là. Et vous venez vous asseoir, donc, Paschimo. Sur Paschimottanasana, on va faire un Tagada Mudra. Tagada Mudra, c'est une posture où on va... donc, je vais vous le montrer dans ce sens-là. Vous allez expirer, tout vider, fausse inspiration. C'est ce qu'on faisait dans les Uddiyana pour Naoli. Donc, en fait, c'est ce qu'on va faire assis. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, vous le faites allongé. Puis, si vous réussissez à allonger, vous l'essayez assis. On va le faire trois fois. Donc, la première fois, on va l'essayer assis. Nous, on l'a déjà pratiqué sur les pranayama. C'est... tu le fais tout doucement. Alors, tu as beaucoup bu ou pas? Il ne faut jamais boire avant le yoga. tu verras, tu vas être obligé de modérer de façon, si tu vois que ça t'incommode. Donc, je vais vous expliquer la technique. C'est, vous essayez d'avoir le dos droit, donc soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies, mais l'important, c'est le dos droit. Vous allez faire une inspiration, expirez complètement avec le ventre. Donc là, je vais re-inspirer parce que je parle. Vous allez, une fois que vous avez fait ça, vous verrouillez la gorge pour empêcher l'air de rentrer. Vous faites semblant d'inspirer, mais aucun air ne rentre par la gorge. Et vous gonflez la poitrine, vous écartez bien les côtes. Vous faites un grand thorax, mais le ventre est tout mou. C'est-à-dire qu'en fait, automatiquement, parce que vous allez écarter la poitrine, le ventre, il va s'absorber. Donc, c'est là où tu vas voir si tu as trop bu ou pas. Donc, on y va. Inspire, expirez, pliez bien les genoux, ayez bien le dos droit, fausse inspiration, verrouillez la gorge. J'arrête avant vous. Tant que vous pouvez, faites-le, ensuite vous relâchez le ventre et après vous inspirez. Et recommencez trois fois. Donc, il ne faut pas que vous sentiez de pression dans le dos. Si vous sentez de la pression dans le dos, faites-le allonger. Ou pliez plus les genoux pour avoir le dos plus droit. Pliez un peu plus les genoux, tu as le dos trop rond. Ouais, voilà.
Et vous faites fausse. Allonge la nuque. Fausse inspire, gonflez la cage thoracique et laissez s'absorber le ventre. La durée de. Ça s'appelle un kumbhaka, donc une rétention de souffle. La durée, c'est tant que votre inspire qui suit est quand même confortable, que vous n'êtes pas en train d'inspirer comme ça. Si vous êtes en train de faire ça, c'est que vous êtes allé trop loin dans la rétention de souffle. Donc, faites une rétention qui vous permet de faire une inspire lente. Et quand vous avez fait les trois fois, vous revenez. On va s'installer en Sarvangasana. Donc, Sarvangasana, vous allez utiliser les couvertures pour les mettre. Donc, le bourron, vous allez le mettre au niveau des épaules. Donc, ça, c'est au fond du tapis. Parce que je vais avoir ma tête et mes épaules ici. Vous la dépliez en deux et vous les posez les unes sur les autres. On en prend trois, sauf si vous avez besoin de plus d'épaisseur parce que vous avez la nuque qui est un petit peu tendue. Voilà, bien aligné. Pas de pli pour que ce soit confortable pour le dos. Vous allez utiliser, on l'a déjà fait plusieurs fois sur ce cours, vous allez utiliser la chaise pour vos pieds. Une sangle largeur épaule pour avoir les coudes parallèles. Ah, j'aurais dû vous en donner une grande de chaise parce que vous êtes grande en fait. Ouais, ça va être une grande. Alors, dans l'autre sens, le bord rond, hop, vers la chaise. C'est bon. Vous mesurez l'espacement. Je vais mettre un peu de gel avec vos jambes. C'est-à-dire que il faut que vous ayez les pieds sur la chaise. Donc là, moi, je suis bien installée. Maintenant, je me change de côté. Je vérifie que ma sangle fait bien mes épaules. Je ne la garde pas loin. Je la passe à un bras. Et on va la placer ici. Je m'allonge et je place mes épaules sur le tapis. Et puis, ma grosse boule, là, ma septième vertèbre, ou ma première thoracique, je la place sur le tapis, sur le coussin, pardon. Les épaules, elles ne sont pas à l'extérieur. Elles sont dessus et j'ai un petit espace devant. Je viens ensuite chercher avec les pieds la chaise et je vais passer mes deux bras dans la sangle juste au-dessus du coude. Je replie mes avant-bras et je viens chercher mon bas du dos. Ne bougez plus la tête quand vous êtes installé en posture et vous allez repousser le sol avec les bras et les épaules. Vous gardez les jambes tendues. Essayez d'avoir le dos droit et ensuite vous placerez les deux pieds vers le ciel. Je vais vous corriger. Voilà, le dos bien droit. Ne bougez pas la tête. Et là, on voyait. Alors, Nathalie, tu peux revenir au sol. Essaie d'avancer un petit peu plus vers le bord du tapis avec tes épaules. Okay. C'est trop large, non? C'est trop serré, non? Qu'est-ce que tu en penses? C'est trop serré ou trop passé? Moi, je pense que c'est bien. Non? Comme ça. Ouais. Ça. Vas-y. Voilà. Essayez d'avoir le dos bien droit. Et si ce n'est pas assez haut, les couvertures, on en rajoute. C'est bon? Donc, vos mains, essayez de les ramener vers les omoplates. Vous allez, avec le regard, sans bouger la tête, regarder vers le point situé entre les sourcils, nommé troisième œil. Vous pouvez ouvrir les yeux et sans froncer les sourcils ou sans plisser le front, vous regardez
vers le point entre les sourcils. Et si vous pouvez, Jiva Bandha, la langue retournée, donc la langue enroulée avec la pointe de la langue qui va vers l'arrière de la bouche, vous retournez la langue, la pointe de la langue va vers le palais. Une fois qu'elle est au palais, elle va vers la gorge au fond. Et vous regardez le troisième œil. Vous respirez très lentement. Et restez un petit peu. Et sur la prochaine inspire, vous replacez les yeux, la langue normale, ou vous restez encore si vous êtes bien. Vous pouvez vous placer en halasana si vous avez enlevé le mudra, avec ou sans la chaise. Si vous ne voulez pas la chaise, je peux vous l'enlever. Sinon, vous gardez les pieds sur la chaise. Et puis, tu peux passer les pieds dessous si tu veux après. Tu voulais à la salle, aller au sol? Laissez aller les genoux à droite et à gauche des oreilles. Et respirez. Les mains peuvent être entrelacées et bras tendus. Ramenez les mains dans le bas du dos. Croisez les chevilles et roulez un petit peu pour venir vous asseoir vers l'avant. Vous allez enlever la sangle. Une fois que vous êtes revenu, vous êtes sur votre ou que vous soyez sur votre tapis, vous pouvez utiliser les couvertures pour vous asseoir. Donc tu vas juste faire. Vous restez assis puisqu'on va continuer sur le pranayama. Vous restez assis, dos droit. Si c'est pas assez les couvertures, je peux vous apporter un coussin si vous voulez être plus haut, ou vous pouvez les replier un peu plus. Hop. Si vous trouvez que vous n'êtes pas bien installé. Comme ça. Respirez Ujjayi en essayant d'allonger la colonne. Vous pouvez aussi les utiliser ici et vous placer. Mahajnana Mudra, vous appuyez l'index, le majeur ensemble et les deux poignets contre les genoux, vous redressez le buste. Comme on a fait au début, vous revenez à la respiration le long de la colonne vertébrale. Vos inspires partent du coccyx, sacrum, lombaire, thoracique, la nuque. Et vous finissez l'inspire sur le point situé au centre du crâne, à l'endroit qui rejoint les deux oreilles, la pointe des oreilles et le point situé entre les sourcils. La jonction de ce point au centre du cerveau. L'expire, vous repartez de ce point vers le bout du coccyx. Et vous remontez. Et vous reprenez, inspire, expire. Continuez. Vous pouvez faire le Ujjayi, chercher la longueur, chercher le souffle. Ressentez chaque segment. Si tu veux y aller, sinon tu peux rester, continue. Nous, on va continuer. On va faire Nadi Shudana, ou Nadi Shudi plutôt, parce qu'on ne va pas mettre de rétention.
Et on va commencer par des Kapalabhati. Donc, vous redressez bien le buste. Soulevez bien le haut de la poitrine. On peut poser une main sous le nombril parce qu'on va expirer qu'avec le bas du ventre, par le nez. On va y aller pas trop fréquent, mais faire bien attention ici de garder toute cette partie-là tranquille et d'expirer avec cette partie-là. Donc, on peut poser la main ici et sur les expires, j'appuie pour être sûr que c'est là que ça travaille. Ou avec les pouces, ou un poing et l'autre main dessus. Donc, je contracte le bas de l'abdomen. Donc, c'est Uddiyana Bandha actif qui travaille ici. Poitrine le plus haut possible, l'avant des aisselles vers le haut, menton vers la gorge, les yeux fermés. Et le souffle vient d'ici. Et vous pouvez relâcher, relâcher, vous laisser aller. Quelques respirations normales. On fera 3 cycles. Vous allez reprendre les expires sur le bas du ventre, dos bien droit. Vous pouvez tourner les paumes de main vers le ciel. Plante de pied vers le ciel. Utiliser les mains pour pousser et vous relâchez, laissez l'inspire, l'expire, toujours en prenant conscience de la colonne, sa longueur, et vous reprenez Kapalabhati. Cherchez à bien lever pour qu'ici ce soit tranquille. Et vous relâchez. Donc là, je ne vais pas du tout détailler la technique parce qu'on va le pratiquer. Donc, on va pratiquer Nadi Shuddhi, qui est la respiration alternée. Donc, on va placer les éléments progressivement. On va placer un élément à la fois. Donc, il y aura des visualisations, des mantras et une façon de respirer. Donc, on va commencer par la façon de respirer. Et il y aura un compte sur les temps. Donc, je vais essayer de compter en même temps que je parle. On va respirer sur... Vous l'entendez ? 60 BPM. Donc je le mets déjà pour que vous puissiez compter vos inspires et vos expires. Donc ceux qui ont l'habitude, vous le faites. On compte avec la main sur des phalanges. Donc on a la main ici ou là, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 6 et on va expirer de la même durée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Vous n'êtes pas obligé de faire sur 6 temps, vous faites sur votre capacité respiratoire. Donc, il faut que vous soyez à l'aise sur l'inspire et l'expire. Si vous avez déjà pratiqué, si vous le pratiquez depuis un moment, vous pouvez faire le ratio 1, 2.
qui est un temps d'inspire, deux temps d'expire. Donc, si vous avez inspiré sur 6, vous allez expirer sur 12. Et la façon de compter, ça va être j'inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'expire, on repart toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'inspire, 1. Alors, si c'est 3 temps, 4 temps, vous, c'est vous qui voyez. Donc, si c'est la première fois, faites un ratio 1-1 de la longueur que vous voulez. Il n'y a pas de règle. La règle, c'est que vous soyez à l'aise à l'expiration, que vous ne soyez pas en manque d'air à aucun moment, que vous ne vous sentiez pas étouffé ou que vous arriviez à tenir la même durée, ou si vous prenez ratio 1-2, que vous soyez capable de faire une expire de double du temps sans arriver... à court de souffle. Donc, vous comptez pour le moment, on fait que inspire-expire sur un ratio 1-1 ou 1-2. Et vous comptez 1 à chaque fois que le métronome tape. Ça, c'est un temps. Comme ça, vous ne pouvez pas accélérer ni ralentir vos inspires et vos expires. Vous faites même durée. Quand vous êtes bien à l'aise avec ça, vos inspirations, vous les faites partir du bas-ventre, milieu thorax, haut de la poitrine. Et quand vous expirez du haut du thorax, milieu poitrine, bas-ventre. Vous faites quelques-unes comme ça sur 3 compartiments. Pas trop longtemps, parce que maintenant, vous allez inspirer en partant du bas, milieu, haut poitrine. Expire, vous partez du bas, milieu et haut poitrine. Donc, double inspiration et expiration vers le haut sur 3 compartiments. Donc, si on faisait du bas vers le haut, expire du haut vers le bas, vous auriez tendance à vous endormir trop facilement. Là, ça va vous tenir plus éveillé. Vous avez tendance à avoir un esprit trop agité, utilisez la respiration, un temps d'inspire, deux temps d'expire. Sur la prochaine expiration, vous allez arrêter et observer. Vous observez l'état intérieur et vous allez rajouter la respiration alternée. Donc avant de le faire, le mudra avec la main, donc main droite ou main gauche, vous ramenez l'index, le majeur, et avec le pouce et l'annulaire, vous allez alternativement boucher les narines. L'endroit qu'on bouche, c'est, vous avez le cartilage, vous descendez, c'est là où c'est creux, et quand vous bouchez, vous ne déplacez pas le nez ne bouge pas. Donc, c'est juste boucher l'entrée d'air. Un cycle respiratoire, c'est une inspire par la narine gauche, donc j'inspire à gauche, j'expire
à droite, côté opposé. Tout de suite, j'inspire à droite, j'expire à gauche. Ça, c'est un cycle. On commence par la gauche, qui correspond au centre d'énergie lunaire. J'expire à droite. C'est le cycle lunaire. Inspire droite, le centre d'énergie solaire. Expire à gauche. Inspire tout de suite, gauche, expire droite. Donc, c'est en permanence, je réinspire par la narine qui vient d'expirer. Et quand j'expire de l'autre côté. J'inspire même narine, expire de l'autre côté. Toujours le dos droit. Et toujours avec cette respiration en trois temps qui part du bas-ventre, du haut, poitrine, expire, bas, milieu, haut. Si vous pouvez le garder, cherchez à tout garder. Je vais remettre le métronome pour le rythme. Chaque fois que vous allez entendre le battement, vous pouvez réciter « Om » ou le mantra si vous le connaissez. Le mantra qui correspond aux narines. Mais comme je vais l'expliquer graduellement, si vous ne l'avez jamais fait, mantra OM. Si vous avez l'habitude, narine gauche, mantra VAM. Narine droite, mantra RAM. Dans la tête, répétez sur chaque battement. Donc, je reprends. Le cycle lunaire, c'est une inspire à gauche, expire droite. Et chaque fois qu'il y a le battement, vam, 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 jusqu'à la fin de l'expire. Vous réinspirez à droite, cycle solaire, mantra solaire, ram, 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 chaque fois que ça... tape jusqu'à l'expire à gauche. Inspire gauche, vam, cycle lunaire, jusqu'à expire droite. Inspire à droite, mantra ram, que vous répétez, jusqu'à la fin de l'expire à gauche. Soit sur un ratio 1-1, soit le ratio 1-2, comme on a fait dans la préparation. Vous allez rajouter des visualisations simples. Quand vous êtes sur le cycle lunaire avec l'inspire à gauche, mantra VAM, vous allez visualiser une pleine lune. Elle va être localisée au centre du crâne. C'est le centre d'énergie lunaire qui correspond à l'eau, l'élément eau. Jusqu'à ce que vous ayez fini l'expire à droite. Quand vous inspirez à droite, mantra RAM, le centre solaire, il est situé au niveau du nombril. Soleil de plein été.
pouvez voir sa lumière dorée, sentir le feu puisque c'est l'élément feu. Jusqu'à l'expire à gauche. Inspire gauche, mantra Vam, la lune au centre du crâne, jusqu'à l'expire à droite. Inspire à droite, mantra Ram, soleil au nombril, le feu, jusqu'à l'expire. Inspire gauche, Vam, lune au centre du crâne. Vous maintenez la visualisation jusqu'à la fin de l'expire à gauche, à droite, pardon. Inspire Ram à droite, visualisation du soleil au niveau du nombril et vous expirez toujours en visualisant le soleil à gauche. Et vous reprenez Vam, la lune à gauche. Sur la prochaine, inspire à droite, le soleil Ram, nombril. Puis vous continuez par vous-même en pensant à respirer du bas, milieu, haut sur l'inspire. Expire, bas, milieu, haut. Vous êtes bien à l'aise avec tout ça, vous rajoutez les deux bandhas qu'on a étudiés pendant cette année, le mudra de la langue qu'on a fait pendant la pratique posturale où vous enroulez la langue vers le palais, jiva bandha, et les yeux fermés, shambhavi mudra qui est encore plus loin que celui où vous regardiez le troisième œil, c'est comme si vous révulsez les yeux et vous regardez vers le centre du crâne. Donc Shambhavi, c'est Shakti qui regarde vers le centre du crâne. Le centre du crâne, c'est là où Shiva réside. Symboliquement. Et vous continuez. Si à un moment donné, vous êtes perdu, reprenez toujours une inspire par la gauche avec le mantra Vam, la lune, centre du crâne. Et quand vous expirez à droite, Ram, soleil, nombril.
Et vous allez finir le cycle. Donc, finir le cycle, c'est terminer par une expire narine gauche. Quand vous avez terminé le cycle complet, vous observez. Observez juste le souffle. Et vous allez à nouveau ramener votre concentration sur la colonne vertébrale. Comme au début, vous inspirez pointe du coccyx. Vous laissez monter l'inspiration le long du sacrum, le long des lombaires, thoracique, toute la colonne cervicale. Et vous allez jusqu'au centre du crâne. Et vous expirez centre du crâne et vous descendez. Donc, je vous donnerai l'explication après, mais là pour l'instant, pratiquez le long de la colonne, le long de la moelle épinière. Cherchez à placer votre souffle jusqu'au centre du crâne. Expire du centre du crâne jusqu'à la pointe du coccyx. Vous pouvez visualiser une ligne rouge qui part de la pointe du coccyx et qui arrive jusqu'au centre du crâne, la chouchoumna, le canal central. Là, on va le faire ensemble. Donc, on ne va pas le faire progressivement, mais on va le faire d'un coup. On va visualiser à la pointe du coccyx, on continue toujours à respirer le long de cette chouchoumna pendant que je vous donne les indications. Essayez de maintenir cette visualisation et le souffle qui part du bas vers le haut. Pointe du coccyx, juste au milieu du plancher pelvien, fleur de lotus vers le haut, qui sera associée au mantra lame. On le répétera ensemble. Moi, je le dirai à haute voix pour que vous ne perdiez pas. Sinon, vous le répéterez mentalement. Vous remontez toujours le long de la colonne, face interne du sacrum, dans la cavité juste en haut, juste avant la jonction avec les premières vertèbres lombaires. Une fleur de lotus vers le haut, mantra VAM. Vous remontez le long de la colonne, nombril, juste à la troisième lombaire, devant un lotus vers le haut, mantra RAM. Vous remontez le long de la colonne, septième thoracique au niveau du cœur, 7 ou 5 par là, mantra YAM, toujours une fleur de lotus vers le haut. En bas de la gorge, première ou la dernière plutôt cervicale, la première en remontant. Juste en face, mantra HAM. Et là, il n'y aura plus de colonne vertébrale. On va arriver au centre du crâne, à la jonction sur le sommet de la pointe des oreilles, milieu du front, mantra OM. Une fleur de lotus vers le haut. En bas, elle est petite et elle va devenir de plus en plus grosse, la taille des fleurs. Et elle est petite aussi au niveau du crâne, pas trop gros. Donc, on va répéter mentalement sur les inspirations, deux fois, une fois d'abord. Pointe du coccyx, lam, vam, ram, yam, ham, om. Et à l'expire, om, am, yam, ram, vam, lam. Et chaque fois, vous visualisez une fleur vers le haut qui s'illumine, enfin comme une boule lumineuse. Et vous pouvez visualiser le fil qui les relie, qui est la ligne rouge, la chouchoumna. Donc, replacez-vous en assise dos droit,
Ah, il est là-bas. Je cherchais mon sac pour vous le montrer. Vous allez respirer le long de cette chouchouna en montant et en descendant, en visualisant toujours ces fleurs de lotus. Vous n'êtes pas obligé, là, je vais vous les sortir en couleur. Vous n'êtes pas obligé de les voir en couleur, vous pouvez les garder en noir et blanc, en sans couleur en fait, pas en noir et blanc. Donc la pointe en bas, ce n'est pas une fleur de lotus, on ne s'en occupe pas, et là en haut non plus, on reste, le point est là, chaque point est situé comme ça. Donc, les yeux fermés, vous pouvez de temps en temps, si vous perdez la visualisation, jeter un œil au dessin. Mais l'idée, c'est les fleurs de lotus vers le haut et ce qui les relie. Essayez de le faire en rouge. Imaginez-le si vous ne le voyez pas. Placez-vous avec les paumes de main vers le ciel, les plantes de pied vers le plafond. Donc pareil, si vous avez mal aux jambes, ouais. Si vous avez mal aux jambes, vous pouvez aussi vous placer comme ça. Des fois, c'est plus confortable que le lotus d'être en... Ça dépend les gens. Mais il vaut mieux bouger qu'avoir mal. Voilà. L'idéal, en fait, c'est d'avoir toujours les plantes de pied tournées vers le ciel. Donc, c'est Siddhasana. Il y a Svastika où on croise les pieds, où c'est carrément le lotus. Le tailleur, ce n'est pas indiqué parce qu'on n'a pas les plantes de pied vers le haut. Ou Virasana, puisqu'on a tourné les plantes de pied vers le haut. On doit toujours tout tourner vers le haut. Main, plante de pied. Dos droit. Alignez bien la colonne. Créez de la longueur. Vous pouvez utiliser le plancher pelvien, vous pouvez le contracter légèrement, toujours de façon subtile. Donc, si vous faites Uddiyana Bandha et Muladhara Bandha, c'est possible, ce n'est pas un problème. Et vous pouvez aussi utiliser la langue retournée hop, dans la bouche et les yeux tournés vers le troisième œil, c'est possible aussi. Vous pouvez rajouter ça. Et vous commencez par respirer du bas vers le haut. Donc, on va le faire ensemble pour qu'on soit ensemble sur les chakras. On va répéter les bijas mantras qui sont les bijas racines. On va commencer par expirer. On va se placer sur la pointe du coccyx. Vous inspirez. Lam, vam, ram, yam, ham, om. Expire. Om, yam, ham, pardon, yam, ram, vam, lam. Lam, vam, ram, yam, ham, om. Om, ham, yam, ram, lam, vam, lam, pardon. Je vais les repositionner. Lam, plancher pelvien, vam, sacrum, ram, nombril, yam, le cœur, ham, la base de la gorge, om, centre du crâne. Et on fait l'inverse à l'expire. Donc, on y va. Je vais les répéter deux fois, ça va me laisser plus de temps. Je vais essayer de les répéter à peu près rapidement. Et vous vous déplacez de ces points chaque fois que je dis un des mantras et vous le répétez en même temps dans votre tête. Expire. Lam, lam, vam, vam, ram, ram, yam, yam, ham, ham, hom, hom. Om, om, ham, ham, yam, yam, ram, ram. Vam, vam, lam, lam. Lam, lam, vam, vam, ram, ram, yam, yam, ham, ham, om, om,
Om, om, ham, ham, yam, yam, ram, ram, vam, vam, lam, 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 vam, vam, ram, ram, yam, yam, am, ham, om, 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 ham, ham, yam, yam, ram, ram, vam, vam, lam, lam. Essayez par vous-même, sur l'inspire, vous répétez lam, vam, ram, yam, ham, hom, hom, ham, yam, ram, vam, lam, et ainsi de suite, en inspirant, en expirant. Et vous pouvez relâcher observer
prochaine inspiration, main jointe. Shanti, shanti, shanti. Vous pouvez, si vous souhaitez, vous installer en Shavasana ou vous pouvez rester en assise comme vous préférez. Vous pourrez rester ou revenir quand le moment se fera ressentir. Toujours en ramenant doucement le mouvement de la périphérie jusque vers le centre.